Les gars, j'ai passé environ une heure. Les gars, j'ai passé une heure sur Real Parking, les gars, à confectionner une voiture. Donc, ce matin, je vous avais dit, je vous avais spoilé la voiture que j'avais customisée. Donc, vous avez vu, elle était orange, voilà. Je vous ai même spoilé une bande blanche que j'ai retirée d'ailleurs parce que ça faisait des gueules. Mais les gars, la voiture que je vous apprête à... Que je m'apprête à vous montrer, les gars, c'est sûrement la meilleure voiture que j'ai faite dans Real Parking. Mais là, les gars, je vous jure, je l'ai travaillé, mais de la mort, quoi. Mais vraiment, c'est un truc de malade. Mais vraiment, je l'ai... J'avais... Dans le jeu, j'avais eu le coffre et j'avais eu que 100 balles. Déjà, ça passe. Et avec 100 balles, les gars, j'ai fait un truc, mais... Wow, les gars, quand je vais me retourner, vous allez chier des bulles. Bon, entre guillemets. Non, mais... Vous allez voir la voiture, les gars, vous allez halluciner. Je vous jure, elle est magnifique. Franchement, elle est à tomber. C'est sûrement la meilleure voiture que j'ai faite de toute ma vie sur Real Parking. Les gars, vraiment, j'ai mis 1h30, 1h30. J'en suis pas sûr. J'en ai rien à foutre. C'est un truc de malade, mais ouais! Mais t'es mort! C'est quoi ce truc? What the fuck? Bon, par contre, il y a un carbone qui bug, je sais, mais j'ai pas pu faire mieux. Déjà que j'ai ragé en la faisant. Alors, je vais vous dire un truc qui peut être incompréhensible. Il fait la voiture est en orange. Là, tu te dis, what the fuck, elle est pas orange. Si, niveau des rétros. Mais c'est juste parce que j'ai mis une bande. Parce que les trucs. Le truc de carbone, il dépassait. Voilà, petite méthode. Mais vraiment, les gars, cette voiture, regardez. Le logo Audi, les gars, je l'ai fait maison. Regardez le Game Boss avec le double reflet. Voilà, c'est simple. C'est très très simple. C'est. Comment? D'ailleurs, les rouges, je les ai remodifiés d'ailleurs. C'est très très simple, je vous ferai un tuto si vous voulez. Regardez, Game Boss OFC YK, abonnez-vous. Mais vraiment, les lignes, elles sont bien faites. Enfin, vraiment, what? Audi S-Line. S-Line, putain, je sais pas c'est laquelle en fait. Je sais pas si c'est la S3 ou quoi. Regardez, même la plaque, les gars. Même la putain de plaque, wesh. Bon, le logo Audi qui bug, c'est. J'essaierai de le modifier, mais. Mais vraiment, les gars, mais what? Vraiment, les. Ouais. Vraiment, c'est un truc de malade, les gars. Même le logo Audi, franchement, même moi, je sais pas comment j'ai réussi à faire. J'ai une précision de malaise, ou je ne sais pas quoi, mais vraiment. Par contre, ce qui est drôle quand même, c'est les rétro orange. Ça vote pas du tout dans le style. Trada avec ça, mec. Monsieur, vous avez des rétro orange alors que votre voiture est noire et rouge. Alors, je restais dans le thème noir et rouge, juste pour le logo S-Line, vraiment. Ouais. Par contre, j'ai pas. Si, un petit peu, mais. Regardez, même là, c'est marqué F-Line, c'est un truc de malade. Vraiment, j'ai galéré. Rien qu'à faire, vous voyez, les petites lignes, les gars, j'ai galéré à les faire, mais what? J'ai même mis le petit logo 59, parce qu'ici, on est dans le 59, donc colonne, nique, marin. Mais vraiment, même la plaque, les gars, j'ai chié à la faire, wesh. Mais wow! Bon, le logo à l'arrière, bon. Bon, parce que je suis un peu de la merde, mais c'est déjà bien. On n'est pas fait à l'avant en tout cas. Je crois que sur ce modèle là, le logo il est sur la calandre. C'est même pas la peine que j'essaye. Vraiment, wow, c'est un truc de malade. Regardez en plus. Là aussi, on voit que il y a un peu d'orange. Franchement, la voiture, mon gars, elle envoie mon gars du pâté. Mais je vous mettrai à la fin de cette vidéo une photo. Bah non, vous l'avez vu ce matin, ça. Hein. J'allais dire, je vais vous mettre une photo à quoi ressemblait la voiture, mais il y a même pas quelques heures. Non. Bon, le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de. Oh, le chat qui ferme sa gueule parce que je vais le goumer. Lol. Bon, le seul bémol, c'est l'intérieur, malheureusement. On peut avoir les intérieurs, mais il faut acheter un truc, je sais pas quoi. Voilà, donc les gars, on va faire le test de la voiture, les gars. Oh mon gars, j'ai jamais autant travaillé une voiture de toute ma vie. Déjà, il y aura les futurs projets que je vous ai montrés. Je pense qu'on attaquera en premier avec la Skyline, je suis pas sûr. Je suis pas très très sûr. Wow, les gars, what the fuck, comment elle est magnifique. Wow. C'est un truc de ouf. Mais vraiment, elle est à tomber, oui.
Ouais, un petit bug là. On voit encore du orange, mais ça peut s'arranger. Ça peut. Oh, franchement, waouh. Vraiment, moi, même moi, je sais pas comment j'ai fait un truc pareil, les gars, vraiment. Le bruit est chiant. Oh, bah, j'ai laissé le volume, mais je suis pas un assassin quand même. Oh les gars, oh, c'est un truc de ouf quoi. Mais vraiment, tu vois, genre un noob, le logo là, le logo 10, ça va pas le faire. Même la plaque, hein. Vraiment, c'est. Wow, c'est un délire de malade ça. Je demande à mon pote de faire et il va mettre 1000 ans en l'air, wesh. Après, je dis pas que je suis un pro, hein. Je suis pas un pro, mais. Franchement, là, le design, non, on me dit pas que. J'ai niqué la bagnole, hein, une fraction de seconde, c'est super. Mais vraiment. Là, on peut mettre GG dans les commentaires, c'est un truc de ouf. Franchement, on peut mettre dans les commentaires GGGG. Hein. Mettre que du G, wesh. Oui. C'est un truc de ouf. Même le truc en noir, ça m'a pris. Je me suis chié dessus en le faisant. Oui. Pas à ce point-là quand même, mais. Ah oui, non, je suis en marche. Mais... J'arrive jamais à gérer les dérapages, c'est chaud. Mais... Non, vraiment, elle est à tomber. Franchement, pas de commentaires négatifs. Franchement, nice. Voilà, allez. Allez, nice, franchement. Je vais la montrer à Enzo. Enzo, il va grave bégayer. Je te jure, Enzo, tu vois la vidéo, tu vas bégayer. Je suis sûr que tu bégayes. Je suis sûr que t'es en train de bégayer. Avoue dans les commentaires, Enzo, que t'es en train de bégayer. Mais après, Enzo, si tu veux que je te fasse une voiture, pas de soucis. Hein. Un truc de malade. Franchement, c'est pas la plus belle bagnole que j'ai faite de toute ma vie dans Real Parking, franchement, la plaque de matriculation, frère. Il y a tout qui est bien. Voilà. Moi, personnellement, je la kiffe grave. C'est une bagnole qui me fait. C'est un truc de ouf! Bon, même le logo arrière qui fait la gueule, mais c'est pas très grave. C'est un truc de la mort! Bon, au début, elle était pas censée avoir ses rouleaux, mais j'ai vite changé d'avis quand on pouvait la mettre bicolore. Hein. D'ailleurs, mon tuto n'a servi à rien parce que j'avais remarqué qu'il y avait une option pour les deux couleurs. Donc, dans ma tête, je me suis dit, j'efface ou j'efface pas la vidéo, lol. Bah, je vais la laisser par fun, mais elle ne sert à rien. Elle ne sert à que dalle. Bon, moi j'aurais quand même trouvé une autre méthode de pouvoir les mettre bicolore. Hein. C'est une bonne nouvelle. Truc de malade, franchement. R à dire. Oh la vache. Moi ce qui me tue vraiment c'est le carbone. Wow, Starfoulo, moi j'ai tellement galéré à le mettre. Lol. On voit encore un petit peu vite fait les bandes, mais ça c'est pas grave. Même l'orange, mais là on voit encore des tout petits reflets orange. Mais... Ouais, la voiture de base elle est censée être orange. Mais je sais pas, j'ai craqué, j'ai mis des trucs rouges.
Bon, allez, si tu veux, quand ? Non, mais... D'ailleurs, j'ai encore jamais fait de vidéo online sur ce jeu. Mais si j'en fais pas, c'est pour une raison, c'est que ça bug à mort. C'est tellement buggé. Non, jure. Je me suis pris un vieux mur à la con. Et ben les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, moi les gars, je l'ai complètement niqué la caisse, le podcast. Moi personnellement, j'ai kiffé faire la vidéo. D'ailleurs, quand j'y pense, je l'ai même pas rabaissé. J'ai rien du tout à la voiture. D'ailleurs, ouais, je viens d'y penser. On peut peut-être essayer de la rabaisser, voir. Mais ouais, je peux la rabaisser au sol, mais pas trop, parce que tu vois, rien que la bordure que je viens de prendre, frère, ça fait mal au cul. Bah, il y a un camion dans le garage, lui, parce que... ouais, c'est bien, ouais. Enfin, un truc un peu what the fuck, ouais, quand même. Si je fais au fest. Oh ouais, mais mec, t'es mal à roue arrière. Non, on reset, hein. On va la laisser d'origine. On va pas la rabaisser, parce que quand on la rabaisse, ça fait un truc what the fuck. Et bah du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et franchement, ouais, franchement, moi j'y reviens toujours pas sur la voiture. Donc je vous dis bye pour la prochaine vidéo. Allez les gars, tous, n'oubliez pas de vous abonner et liker, c'est très important. Non mais, faut s'abonner.